Donner l'info parce que au théâtre de Locarno à 13h30, eh bien on est à la recherche d'Angelina. C'est le titre du spectacle La recherche d'Angelina de Patrick Coppolani, brillamment interprété par Yves Fagnon. Bonjour. 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 Merci d'être venu nous parler de ce spectacle drôle, évidemment, c'est la vraie comédie. C'est aussi poétique, c'est aussi touchant. Il y a ce vrai message sur la possibilité à tous de l'accès au bonheur. Oui, oui, on vous invite à découvrir ce personnage débile qui recherche Angelina. Bon, ça fait au moins qu'il la recherche. Donc voilà, écrit par Patrick Coppolani. C'est un personnage, voilà. C'est une difficulté. Voilà, la difficulté qu'il a, c'est qu'il a le syndrome de la fixette. Alors, le syndrome de la fixette. Oui, non, mais voilà. Quand il est contrarié ou quand il est trop content, il bloque. Voilà, il bloque et il fixe. Voilà, donc c'est, alors au départ c'est une difficulté, c'est une image bien sûr, c'est là que vient le message du spectacle, c'est qu'on est à la recherche. Angelina a ses bonheurs, elle est à la recherche, et puis le bonheur est accessible, et tout le monde y a droit. Exactement. Et même si on souffre, voilà, même on va dire des gens extraordinaires. En tout cas, ça reste une réelle, une vraie comédie, rebondissante et rebondissante, on s'amuse dans la vie. C'est pour ça qu'on va au théâtre de Locarno à 13h30, tous les jours jusqu'au 30 juillet, c'est pour rire avant tout. Voilà, oui, ah oui, oui, c'est un spectacle que tu pourras attacher, mais c'est pas. On voulait faire le livre, mais je n'ai pas voulu le rester dans le. Ça s'appelle À la recherche d'Angelina. C'est à Locarno à 13h30 de Patrick Coppolani et avec Eric Fagnon.